Eh bien, rebonjour tout le monde. Je me gratte. Le genou, c'est bien possible. Et on est parti pour une petite session. On va faire, je pense, une partie. Ou deux si je meurs très très vite. Une partie sur, le jeu qui déchaîne les passions depuis un an et demi. Ça fait ouais, un an et demi, je pense qu'il est vraiment... Il est vraiment connu. Qui est, Putain, ça me casse les oreilles, vraiment, c'est chiant. J'ai nommé PUBG. Donc ça fait... J'ai fait quoi? J'ai fait quelques petites parties. Je suis nul. Mais c'est marrant. Donc mon objectif pour le moment, c'est avoir 3000 pièces. Est-ce qu'on voit mon curseur? Je crois pas. On va mettre... Ouais, on va faire un truc. On va mettre... Propriété... Capturer le curseur. Parce que je trouve ça important quand même d'avoir le curseur. Voilà. On va voir si... Hop. On fait ça. Ah c'est bon, vous voyez mon curseur. C'est nickel. Donc... Mon objectif, oui. C'est d'avoir 3000 pièces là. Parce que comme un con, j'ai lancé le jeu, éditeur de perso, je fais ouais, je m'en bats les couilles, je fais un perso trop moche. Qui est ce monsieur là, qui est particulièrement horrible. Et puis après je me suis dit, bah c'est pas grave, de toute façon, même s'il est moche, je pourrais lui changer la tête. Et puis quand j'ai voulu changer la tête, et notamment peut-être faire une meuf ou quoi que ce soit, et bah j'ai vu qu'en bas, il y avait écrit qu'il vous faut 3000 pièces. Là là là. Hein, voilà, merci Fortnite, hein. Maintenant que vous êtes passé devant PUBG et vous avez instauré le système de lootbox, et bah les mecs se sont dit que c'était une bonne idée de te faire payer pour changer la tête de ton personnage. C'est une honte. C'est une honte. Du coup, bah voilà, ça fait quelques heures que je joue avec cette phase de con. Putain, c'est horrible. Voilà, alors qu'on pourrait faire des petits trucs sympathiques, genre code cheval. Non, mais y a de quoi faire des trucs sympas. Ouais. Oh là là, mais... Bref. On va jouer en quoi? Ah, j'aime bien me faire tuer, donc on va en one man squad. Tout seul contre plein de gens. En fait, non. Le truc, c'est que c'est la technique, comme ça, je suis tout seul. Mais les gens s'entretuent pendant que moi, je suis caché dans un fourré. Et que j'attends. Tout simplement. Parce que l'attente, c'est quand même le meilleur moyen de gagner. Du moins selon moi. Hop là. Ah, mais au sol bloqué, voilà. Hop. Oh putain, mais. Par contre, ces animations, c'est vraiment horrible. Vraiment, je suis presque. Pas déçu par le jeu, mais... J'hallucine de voir à quel point le jeu, il peut être pété, quoi. Mais qu'est-ce que tu m'embêtes, toi? Non, hop. Voilà. Je bronze. Hop, allez, on court. On va se promener. Donc ça, c'est la nouvelle map. Bon, que je connais pas, de toute façon j'en connais aucune hein, vu que j'ai le jeu depuis deux semaines. Mais c'est particulièrement prenant quoi. Ça marche super bien. Et surtout que ça a l'avantage d'être plutôt rapide comme partie, ça dure 20-30 minutes. Ce qui est pas trop mal. Donc bon, où est-ce qu'on va? Alors hop, putain, j'ai le câble de mon micro au-dessus de mon clavier, c'est une très très bonne idée. Tiens, on va aller là. Je pense que ça peut être sympathique. Donc je connais rien du tout à la méta. C'est balèque, c'est je saute. Normalement je saute toujours dans la zone. Parce que va savoir pourquoi j'ai de la chance. Et c'est parti mon kiki. Allez, hop, hop à gauche. Et on dab. Voilà.
une heure que j'ai recommencé à streamer et puis j'en suis à faire des dabs. Mais c'est pas moi, regarde, hop là, et mon dab. Et mon dab. En même temps, je m'inspire des meilleurs. Ah, il y a même une petite voiture, il y a une Jeep et un bateau. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes de réseau. Mais c'est quoi ça? Ah non, la Jeep elle est cassée. Bon, attendez, on va s'allonger pour pas qu'on me voit. Oh putain, ça se tire dessus. On va faire un petit speed test en pleine partie, histoire de voir. Enfin, speed test. Ça va. Et les mecs, je suis à 50 en download. Allez, passe au up là. J'ai envie de voir combien je suis là, c'est pas mal. En up là, je vais être à... Ouais, je suis à 30, 40 en up, 50. Ça va. Bah on va jouer en fait, parce que sinon c'est pas top. Voilà, 50-50. Donc, ouais, je suis accroupi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un Uzi. Hop là, ouais, ça a l'air pas mal. On va prendre ça, on va prendre ça. Oh là là, mais c'est la foire ici! Ah non, ah, je préfère ça. C'est vachement plus stylé. Tu mets des plus grosses balles dedans. Y'a pas un sac à dos quelque part? Alors, la x2, on va mettre ça là. La x4, on va mettre ça là. Un bosseau, j'en ai plus besoin. 9 mm, j'en ai plus besoin non plus. Ah, quoi que si, ça peut être utile si je trouve un pistolet. On va passer. Voilà, on va mettre un rafale. Ah, et un sac à dos là-bas. Parfait. Clac. Cocktail Molotov. J'ai un sac à dos niveau combien? Niveau 1. Niveau 1. Voilà la fragmentation. Ah, ça c'est pas super bien ça. Je sais pas, on s'en fout. Le mec se tire dessus, tranquillou. Donc on va aller rechercher les trucs que j'ai pas pu prendre. Hop là, les bandages. Tu passes quand même ton temps à regarder tes pieds, c'est un peu chiant. Ah ouais, ça c'est pour ça. Ouais, parfait. Ah bah parfait. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est le bouton qui est là. Non, pour le moment on va rester. Non, mauvais bouton. Voilà. Surtout que moi, un grand joueur PC, le clavier et moi ça fait deux. Hein. Comme chacun sait. Ici, qu'est-ce qu'il y a? De l'antidouleur. Une lunette x2. Oh, un petit silencieux, ça peut être bien. Non, c'est pas pour moi ça. Oh merde. Non, ça j'en ai pas besoin. Non, si j'ai fait. Ah mais elle est où la zone? Bon, ça va, elle est pas loin. Et on pourrait aller on pourrait aller là-bas. On va aller à la plage. Vu que ça, là je suis en quoi? Bonne rafale. Ah ça c'est un niveau 2. Ouais. Ah ouais, tu passes ton temps à regarder tes genoux. Et après, bah tu meurs. De manière nulle. Sans savoir d'où ça venait. Hop là. F, conduire le bateau. Il y a une marche arrière? Oh, c'est pété, c'est quoi ce bateau avec une marche arrière? Non, 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 non. Oula, oula. Il n'y a pas de klaxon. Mais c'est trop nul. Ah, est-ce que...
Ah voilà. Le chat il est activé, maintenant on m'entend. Mais je sais pas si les gens m'entendent vraiment dans le jeu, j'ai pas configuré mon micro je crois. Ohé, matelot. Je suis trop triste. On va quand même le désactiver, hein. Je suis pas suicidaire. Je fais top 20. Easy, je fais top 20. On va un tout petit peu tourner la caméra. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en termes de feng shui, elle est un peu mieux. Ah ouais, c'est un peu mieux. Donc alors, où est-ce qu'on va? Ouais, on va là-bas. 72 km/h. Ça fait combien de nœuds ça? Je sais pas, je suis pas marin. Voilà, ça se tire. 50 FPS, oula, ouais. C'est vrai que oui, j'ai merde, j'avais pas revu les réglages. Parce qu'hier soir, j'ai fait une petite partie. Je vais pas mettre des patates à mon micro. J'ai fait une petite partie où j'ai pas mis à fond. Parce que à fond, le jeu, je le fais tourner, mais. Les effets de lumière sont tellement pétés en fait que bah c'est moche. Enfin, c'est quand même un peu aberrant, quoi. C'est le seul jeu, tu le mets à fond, c'est pas beau. Ah, j'ai une poêle, trop bien. Non! Non. Ah, ça sert à rien en fait. Pourquoi je peux pas le prendre ça? Espace insuffisant. J'ai tout de merde. Roi assourdissant, moi ça jamais j'utiliserai. Bah voilà, on n'est pas bien là. On va se poser. Waouh, c'est quoi ce fusil? C'est un drague, c'est QBZ. Non, c'est DBZ, mais vous avez rien compris. Roi de la vanne en tout cas. Hein. Ah, c'est une demi-poignée. Je sais pas ce que ça change, hein, mais c'est une demi-poignée. Ah, j'ai plein de munitions, je l'aime trop ce pistolet. Ah, c'est pas un pistolet, c'est un fusil. Elle est où la deuxième zone maintenant? Bon bah voilà. Je suis armé jusqu'aux dents. Ah, je peux pas me mettre au sol là? Je veux pas aller là-dessous. Oh, je suis trop triste. Ouais. Bah voilà. Bah on va attendre hein. Il y a de la fumée. Ah mais c'est le truc qui fait tout le temps de la fumée là-bas. Bref. Ce jeu je l'aime bien pour le peu que j'y joue. Mais ce qui. Enfin. Le seul regret que j'ai avec ce jeu, c'est pas à cause de PUBG, mais c'est à cause de Konami. Et je me dis, mais pourquoi Konami, bande de Mongoliens, vous n'avez pas fait un Metal Gear Battle Royale? Plutôt que de faire Survive, qui est littéralement Fortnite. Bah voilà. Ah bah je suis mort. Bah voilà. Voilà, je dis du mal de Konami et je meurs. Ah mais j'ai fait top 15. Ça c'est pas mal. Putain. Fais chier, c'est pas très beau ça. Bon c'est pas grave, j'ai le temps d'en relancer une. Ah purée, j'étais pas prêt, il m'a pris par surprise. À chaque fois je me fais prendre par surprise. Mais oui, enfin, pourquoi avoir fait Metal Gear Survive, qui est la partie nulle de Fortnite? Et avoir persisté alors que Fortnite faisait du Battle Royale pour un peu sauver son système économique et son jeu s'était mis et bref. Et vous avoir sorti ce jeu qui a fait un flop. Alors que, putain, mais Metal Gear, surtout avec MGS5, vous aviez le jeu parfait pour faire du Battle Royale, quoi. Vous aviez les maps, vous aviez les armes, et vous aviez surtout un gameplay, mais aux petits oignons quoi, parce que ça, mais là le gameplay de PUBG et même de Fortnite, mais il est complètement flingué. Enfin là, l'animation pour passer au-dessus de la muraille, mais un an et demi les gens l'ont attendu.
c'est pas possible. Et c'est moche, et c'est mal foutu, et ça ressemble à rien, et quand tu t'allonges, t'as l'impression d'être un serpent de merde. Alors qu'il y a MGS5, mais enfin, rejouez-y ou jouez-y si vous y avez jamais joué, et vous verrez à quel point c'était. Mais c'était du caviar, ce jeu. En termes de gameplay, en termes vraiment de. D'expérience utilisateur, je pense qu'on peut vraiment parler de ça, c'était parfait, la fluidité entre les interactions, entre les changements d'état, accroupi, à genoux, sauter, etc. C'était génial. Tout le système de tir et d'armes, vraiment pareil, hein. Et puis oui, enfin, je comprends pas Konami qui est vraiment dans l'optique aujourd'hui de faire de la thune, puisque. Putain, heureusement, je me suis pas tous le bouton. Puisqu'ils en sont à faire des free-to-play, ils ont dit qu'ils feraient que du jeu mobile aujourd'hui, des trucs comme ça. Et ne pas surfer sur cette vague des Battle Royale alors qu'ils ont tout sans que ça leur coûte très cher. Enfin, même ils auraient dû pivoter, enfin, ils auraient dû faire un Battle Royale avant même de sortir Survive, parce que Survive ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé il y a plus d'un an et demi. Alors que les Battle Royale commençaient un peu à. Oh là, où suis-je? À fleurir. Ils auraient dû, je sais pas, ils auraient dû voir le truc venir. Et vraiment, c'est. Mais je suis déçu. Parce que même si bah c'est plus Kojima, nanani, nanana, bon, ça me fait de la peine et tout. Mais quitte à exploiter la licence, bah exploitez-la. Et utilisez le l'or que vous avez dans les mains. Enfin plutôt que vous avez dans votre armoire qui est Metal Gear 5. Pour en faire un jeu cool, quoi. Là, tu me fais un. Putain, tu me fais un battle royale. Free to play, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus. C'est dur de faire passer la pilule avec Fortnite. De faire un battle royale payant. Bah c'est nickel, hein. Avec la qualité de MGS, enfin. Non. Voilà. Et donc paradoxalement, le seul truc que ça m'a donné envie de jouer à PUBG, c'est de rejouer à MGS5. J'ai envie de rejouer à MGS5. Et de refaire tous les MGS. Ce que je ferai peut-être un jour. Hop là. Ah, j'ai un sac à dos. Trop bien. On peut prendre. Ah non! Ouais, ça en prend, ça en prend. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule pour dire que. Konami, vous êtes stupide. Enfin, vous êtes pas. Enfin, ouais. Enfin, c'est dommage. Ah ouais, ça c'est bien. Ça va bien que j'ai une lunette. Ouais, sac à dos niveau 3. Il est où mon choc? L'étrangleur. Je sais pas où est-ce qu'il se tire dessus. Oh là là, et mon bureau, il est. Putain, il est pas confortable, c'est un truc de fou. Ah, parfait. Monsieur, je vais. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas, j'ai du mal à jouer en vue à la troisième personne. Enfin, pour les déplacements et tout, c'est bien. Donc alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se promener. Donc les tirs, ils venaient de. Ah oui, il faut que je regarde où. Oh bah je suis pile dans la zone. Parfait. Pas une voiture? On va pas prendre les vélos, je suis trop déçu.
Ah, ça peut être bien la lunette x2. Ouais, vu que ça avait l'air d'être un peu plus un. Basculer vers AKM. Ah ouais, l'AKM. Je trouve un PGM. J'utilise l'AKM. Avec chargeur rapide et cache-flamme. Silencieux, c'est pourquoi? C'est pour les SMG. Je sais pas ce que c'est. Hop là. On prend un peu toutes les munitions. C'est mon truc. Autant. Alors attends, hop là, on se met en automatique. Là, je suis. Ouais, parfait. Autant ça me dérange, enfin autant je peux laisser les armes, mais stratégie, je prends les munitions. Haha, comme ça tu peux plus tirer avec. Alors où est-ce qu'on va? On va en bord de mer. Super mal installé. J'adore. Ah parfait. Ouais, très très bien. Ah mais je sais comment il m'a eu tout à l'heure le mec. Mais il m'a stream hack. Voilà. En vrai, le HUD est plutôt correct sur ce jeu. Il est bien, il est sobre. Oh, on vient de liker un de mes tweets. Ah, on est dans les rizières. Je sais pas dans quoi. On est dans le caca surtout parce que là. Ah, on va aller à Tatmok. Tatmok. Oh là là, je vais me faire allumer, je vais rien comprendre encore. Mais ça va, là, je suis bien équipé. De toute façon, je suis jamais arrivé à court de balles. Hein. Clairement. Je suis un non-violent. J'ai jamais fait top 1 non plus. Je suis nul. Ah, bon. Allez, grimpe. Oh là là. Pff. Allez, on va se concentrer. On va peut-être un peu moins parler. On va passer en mode ASMR. Infiltration. Ça fait quoi un criquet? J'ai eu un doute. Ça fait cric cric cric. Ah voilà, on va faire les cigales. Comme ça. C'est la technique. Technique de survivaliste. Faire croire à des animaux sauvages. Si je suis une cigale. Les adversaires baisseront leur garde. Ils ne seront pas prêts. Et je pourrais leur mettre une balle dans les pieds et mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, où est-ce qu'il lâche les bombes là? Ah, c'est loin. Ah, mais la petite cagette, elle est là-bas. Bah parfait, tiens, je vais y aller. Histoire de mourir. C'est un paradoxe quand même parce que c'est un jeu qui est censé être un jeu de guerre, mais pour moi ça s'apparente à une simulation de randonnée et de mort. C'est ça en fait, c'est une simulation de randonnée. En fait, c'est le prochain jeu de Kojima, Death Stranding, en fait, on est déjà en train d'y jouer.
Parce qu'en fait, Death Stranding, ce sera un battle royale de randonnée. Et alors là, je pense qu'on est tous mindfuck, hein, si Kojima nous annonce ça. Un battle. Mais en même temps, ce sera un battle royale avec Léa Seydoux, et juste pour ça. Bah, ça mérite 70 euros. Juste pour le skin, il est assez doux. Bien sûr. Non, mais ça, c'est la grosse maison là. Moi, je vais pas là-bas. Moi, je suis pas fou. Ah, mais en même temps, je suis en mode. Comment ça s'appelle là? One Man Army là. Je suis contre des équipes. Les mecs qui ont essayé de me prendre un revers et tout. Ah putain, ça me coupe le poignet. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Mais je vais pas. Non mais non. Non mais jamais de la vie. Non mais je veux pas aller là-bas. Ah parfait. En tout cas, il est jamais essoufflé, hein. Un bon cardio le mec. Hein. Mais allez. Ouh là là, ouais, faut pas trop que je tarde. Hein. Je sais pas ce que je vais manger. En même temps, mais pourquoi les gens ils meurent pas là? Il y a toujours 32 mecs vivants. Bon, on va attendre. Ah! Ah! Bah voilà, j'ai sursauté comme une merde. Bah parfait, je vais pouvoir aller manger. Ah, poulet, t'es où encore? Voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce jeu. Ah, mais ils étaient 4 là! 4 sur moi! Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était un toxicomane, gamin. Là. Moi, je m'appelle Joystickman, c'est marrant. Tu vois? Alors, les mecs, ils étaient chauds, quoi. Oh la vache, les vols planés que tu fais. Bah tu es avec un Mini 14. Hein. Trop bien. Revenir au menu. Oui. Histoire de pouvoir entendre ce générique qui casse les oreilles. Oh la vache, mais on peut plus de ce générique là. Je sais pas ce que j'ai comme contrôle. Ah non, graphique dans le gameplay. Je pense que je jouerai à la manette après. Parce que je suis quand même meilleur à la manette. Mais ça marche pas avec moi. Je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Ah non. Objet jetable. Genre un appareil photo. Ou un mouchoir. Changer mode de tir. Ouais, B. Ouais, B, c'est bien. J'ai mes petites habitudes. Utiliser. Non, on bat les couilles. De toute façon, j'utilise jamais ça. Augmenter le calibrage. Oh, on va mettre ça là-dessus. Ah non, augmenter, diminuer. Ouais, ok. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, moi, ça me fait. Je pense que je fais de la merde. J'ai mal réglé mes trucs. Au volant. Changement de. Ah, on peut changer de siège? Ah, c'est contrôle plus un numéro, d'accord. Chaque fois, je suis coincé. Non, mais c'est bien. Je m'app... Alors, appuyer pour parler. Ah, je comprends pas comment ça marche. Que c'était vu ce que je vais faire moi, ça me gratte.
Bref. Appliquer. Graphisme. Ah oui, c'est les ongles que j'ai mis moyenne et la végétation faible. Technique de PGM. Fermé. Voilà, on est à 2526, plus que 500, donc c'est-à-dire au moins 7 parties, parce que je suis nul. Voilà. On se retrouve peut-être demain pour une autre partie. Ça sera bien, ça sera marrant. Je l'espère. Sur ce... Putain, mais j'ai pas changé le jeu auquel je jouais. Bah oui, c'est pas la Reine des Neiges, tout ça. Désolé. Hugo, 5 ans, qui t'attend à voir du gameplay de la Reine des Neiges en regardant cette vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Ah, j'étais pas en mode direct. Ah putain, mais comme un abruti. Mais je regardais plus le chat, il y avait peut-être des gens dans le chat. Non, je déconne, il y avait personne dans le chat. Waouh. Bon, allez, on va arrêter de dire des bêtises. Je vais manger, me doucher et aller au cinéma. À bientôt.